bien, chers amis télénautes, bonjour. Nous sommes cet après-midi chez Sébastien Bouillet pour assister au lancement de son nouveau magasin, une chocolaterie qui s'appelle Chocolat. Sébastien Bouillet, bonjour. Jean-Michel. Alors, c'est votre dernier bébé, je crois que vous en êtes fier. Ça, c'est le beau bébé de la maison, le dernier né. Concept qui est issu de tous les voyages que j'ai fait ces dernières années, des idées prises à droite à gauche pour aboutir en commun avec donc l'architecte Richard Bagur, et qui on a réfléchi sur ce concept à quelque chose de très gourmand comme je voulais, donc très chocolat, très gourmand, et un peu dans l'idée du film Charlie et la chocolaterie, pour faire rêver les gens avec un peu des fontaines de chocolat, du tuyau, voilà. Alors, fontaine de chocolat, vous êtes devant une fontaine de chocolat, c'est assez impressionnant, et c'est 100% chocolat pratiquement ce magasin. Oui, c'est 100% chocolat et confiserie, donc essentiellement des produits à base de chocolat, donc avec une grande bibliothèque à tablettes de chocolat de 40 variétés, de la confiserie à l'ancienne, guimauve, caramel, nougat maison, variétés de bonbons chocolat, une trentaine, et puis après toutes les spécialités maison, le macalion, le bouche-bée, etc. Alors, est-ce à dire que vous allez abandonner votre spécialité, le macaron, le macalion, ou c'est un plus dans votre palette gourmande ? Non, déjà, c'est un plus, c'est se faire plaisir, me faire plaisir, parce que le chocolat, c'est quelque chose que je voulais explorer depuis quelques années, et c'est vrai que par le biais des magasins pâtisserie, le chocolat n'avait qu'une petite partie. Et là, le but, c'est de dire, bon, voilà, on sait aussi faire du chocolat, on veut exprimer notre façon de faire le chocolat, et c'est pour ça qu'est né chocolat, quoi. Alors, vous avez exporté votre savoir-faire, notamment en matière de macarons, mais pas que, à l'étranger, au Japon en particulier. Est-ce que ce concept chocolat, santé à la fin, vous allez nous expliquer pourquoi, vous allez l'exporter également de par le monde et peut-être au Japon ? Bon, déjà, on va déjà essayer de l'exporter à la Croix-Rousse et à Lyon, ce qui sera déjà pas mal. Et puis après, écoutez, si ça se passe comme au Japon, où on a des demandes pour promouvoir ou pour développer la marque chocolat, pourquoi pas ? Mais déjà, on va s'attacher à bien faire ici, à faire plaisir à nos clients, aux Lyonnais, aux gourmands. Et après, bon, on verra par la suite s'il y a des opportunités. La marque chocolat, pourquoi n'y a-t-il pas de thé à la fin ? Alors en fait, c'est issu de la phonétique du mot chocolat. Alors on a changé un petit peu le début, on a quand même mis le C et le H, mais le reste ça fait partie de la phonétique du mot chocolat. En fait, normalement la phonétique a un S au début, donc c'est pas très très élégant, donc on a gardé la déclinaison du début et on a fini par la terminaison. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil à la phonétique, un truc qui était un petit peu différent et sympathique. C'est le concept, puis c'est également... votre petit plus, vous qui êtes un artiste aussi. Ouais, après je ne sais pas si on est un artiste. Moi, ce que j'exprime, c'est vraiment du plaisir. Se faire plaisir déjà nous. Là, c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir maintenant ici. On a un bel atelier chocolat parce qu'on a la fabrication qui est juste derrière. Les gens nous voient y fabriquer. Donc déjà ça conforte les gens dans leur achat et dans leur envie de manger du chocolat. Donc voilà. L'idée, c'est qu'on s'est fait plaisir. J'espère faire plaisir aux gens et qu'ils viennent découvrir nombreux, quoi. Partager cet amour du chocolat. Alors justement, Sébastien Bouillet, pâtissier chocolatier à la Croix-Rousse depuis nombreuses années, on connaît bien votre papa qui a créé le magasin ici à la Croix-Rousse. Le chocolat représente quoi pour vous précisément ? Le chocolat, moi, c'est toujours la matière que, depuis que j'ai commencé le métier, que je préfère. Après, c'est vrai que quand je suis rentré chez mon père, on a surtout mis l'accent sur la pâtisserie, sur les macarons, qui sont devenus un peu une spécialité maison. Et puis, c'est vrai que du coup, le chocolat, on l'a laissé un peu de côté. C'est-à-dire qu'on avait des bonbons chocolat, on avait un peu des variétés, mais le reste a évolué. Le chocolat, par le fait aussi qu'on ait un petit labo chocolat, on ne pouvait pas s'exprimer comme on voulait. Et je pense qu'on ne peut pas s'exprimer dans tout, dans une seule et même boutique. Donc maintenant, avec la boutique chocolat, où il n'y a que du chocolat, là, on va pouvoir vraiment s'exprimer. Mais je pense qu'on ne peut pas tout mélanger ensemble. C'est un concept différent. Et comme disent certains, c'est vrai que le chocolat, ce n'est pas le même métier que pâtissier. C'est un métier différent. C'est vrai, d'ailleurs, il y a des meilleurs ouvriers de France, des titres de meilleurs de France en pâtissier, en chocolatier et puis en glacier également. Est-ce que la prochaine étape, Sébastien, c'est peut-être d'aller sélectionner vos fèves de cacao directement sur place, voire même, comme certains de vos confrères chocolatiers, en Rhône-Alpes, pourquoi pas, d'acheter des plantations ? Ça serait un rêve. Après, c'est vraiment très compliqué, très... Ça demande beaucoup d'investissements et personnels et financiers, parce que c'est vrai que les maisons Rhône-Alpes, comme vous avez cité, dont Bernachon, Pralu et Bonnat, qui sont les trois, on a de la chance, on a les trois artisans qui fabriquent en France et dans la région,
qui font des chocolats exceptionnels comme Mernachon et Pralu. Voilà, donc d'ailleurs j'achète quelques chocolats, des sélections de chocolats chez Pralu pour faire des tablettes. Et puis bon, bah, la maison Mernachon, Philippe Mernachon est un ami et que je respecte énormément. Et c'est pour moi, c'est la tradition du chocolat à Lyon. Troisième génération du nom, Philippe. Voilà, donc c'est exceptionnel. Bon, nous on n'en est qu'à la deuxième, donc ça veut dire qu'on a un peu de marge encore. Et voilà, non, mais c'est le rêve de tout chocolatier un jour de torréfier ses fèves, d'acheter ses fèves et d'avoir une plantation. Après, si on est raisonnable, ça me semble compliqué, mais bon, tous les rêves sont réalisables, donc pourquoi pas. Alors Sébastien, nous sommes toujours cet après-midi ici avec vous à la Croix-Rousse, dans votre nouveau magasin chocolat. Parlez-nous de ce magasin. Donc on arrive, on a l'impression de se trouver dans un loft new-yorkais. On voit les briques typiques, on voit ce mur de chocolat, on voit la présentation sous verre, on voit une autre fontaine de chocolat. On voit, comment peut-on appeler ça ? Bibliothèque à chocolat. Une bibliothèque à chocolat. Alors expliquez-nous un petit peu le concept gourmand. Bon, l'idée avec l'architecte d'intérieur Richard Bagur, c'était vraiment de faire un atelier. C'est vrai que déjà dans l'ambiance croix-roussienne, tout ça, de faire un atelier. Croix-Rousse, New York, le loft, c'est un peu le même esprit. Ouais. C'est dans le même esprit parce qu'on a un côté très artisan, très artiste à la Croix-Rousse. Moi, j'adore New York, j'y suis allé plusieurs fois pour le travail. Et c'est vrai que on prend des idées à droite à gauche et puis à un moment, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Quel style ? Moi, le chocolat, je voulais quelque chose de différent, qui ne ressemble pas à ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc, pas trop coloré, une ambiance un peu intimiste et puis quand même de la chaleur. Donc, on voulait laisser des matériaux bruts, tout ça. Donc, c'est ce qu'on a essayé de réaliser en mettant du zinc, c'est vrai que... Des briques, un peu de la ferraille, les tuyaux au chocolat qui passent en hauteur et qui font alimenter la fontaine de chocolat. Et puis là, la bibliothèque à tablettes, donc ça c'est une idée depuis longtemps de présenter en fait les tablettes comme des livres. Parce que pour moi, les tablettes qu'on a étaient un peu en forme de livre et les gens ont une bonne visibilité comme ça de nos tablettes de chocolat parce qu'on a 40 variétés. Quel est votre... Aujourd'hui, j'allais dire, votre amour, votre affection plus particulière en termes de chocolat, quel est celui qui vous plaît le plus aujourd'hui ? Moi, je suis très Amérique du Sud. En ce moment, il y a un Pérou là, en 75% qui est vraiment exceptionnel, qui en plus est broyé par roulement à billes. Donc, on a une onctuosité et une longueur en bouche assez exceptionnelle. Un conchage très long, sans doute ? Conchage très long, mais par roulement à billes. Quelque chose qui est complètement différent. C'est vraiment un nouveau concept de conchage. Et c'est vrai qu'on a une longueur en bouche et une présence en bouche qui est très importante et très longue. Donc ça, c'est super. Ça veut dire qu'en plus des saveurs, du goût, de l'onctuosité, il y a de la mâche. Ouais, mais voilà, c'est aussi différent. C'est comme quand on boit un vin où on a des fois des textures différentes en bouche, quelque chose qui est un peu gras, un peu moins. Le chocolat, c'est exactement pareil. Donc c'est là-dessus où je trouve qu'on arrive à avoir des choses différentes et faire justement déguster des choses différentes. Et le but, c'est ça, c'est d'avoir des choses, un panel différent et que les gens découvrent tout le temps des nouvelles variétés, quoi. Donc vous êtes un découvreur, on se demande où va s'arrêter Sébastien Bouillet, le premier magasin qui a été refait entièrement, la chocolaterie, le Japon, tout un tas de choses. Et qu'est-ce qui fait courir Sébastien Bouillet et où va-t-il s'arrêter ? Va-t-il s'arrêter un jour ou est-ce que vous avez encore beaucoup de projets en tête ? Non, moi je marche beaucoup à l'impulsion, c'est-à-dire que voilà, la chocolaterie, on en aurait parlé il y a un an... On n'aurait rien dit parce que c'était pas prévu. C'est une opportunité qui a fait qu'on a pu ouvrir chocolat. Et à chaque fois qu'on a fait des projets jusqu'à maintenant, le Japon, ça a été une opportunité de quelqu'un qui s'intéressait à nous pour créer la marque Bouillet au Japon. Donc en fait, moi, j'ai pas de plan de carrière, pas de plan professionnel. C'est les opportunités, le coup de cœur, l'envie, l'échange, le partage. Donc la chance d'aller à l'étranger, c'est de découvrir des choses. Et je pense que le résultat du chocolat, c'est tous les voyages que j'ai fait ces dernières années. C'est un making pot de tout ce que j'ai vu. Et puis voilà, il y en est ressorti ça. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment le concept le plus abouti qu'on ait fait. Parce que je pense qu'il y a un peu plus de maturité, parce que peut-être un peu plus posé. Enfin voilà. Après, on verra. Il n'y a pas de projet dans l'immédiat. Après, peut-être dans un an, on se revoit et il y aura peut-être de nouvelles ouvertures. Bon, pour l'instant, on va déjà s'occuper et s'attacher à bien s'occuper d'ici. Et après, on verra, quoi. Oui, parce que Sébastien Bouillet, c'est aussi un chef d'entreprise et il faut gérer l'histoire. Ouais, gérer l'histoire. Maintenant, on est une quarantaine, donc ça veut dire gérer des hommes. Alors, je suis très bien entouré par mon épouse, mes parents qui sont encore présents dans l'entreprise. Alors, justement, votre papa Henri, que dit-il de, entre guillemets, la success story ici du fils Sébastien ? Non, bah, ça se passe plutôt bien. Ils sont plutôt satisfaits et contents, c'est normal. Après, ils ont aussi mis leur pierre à l'édifice. Donc ça, c'est plutôt une fierté pour eux et pour moi, parce qu'ils m'ont laissé aussi faire ce que je voulais. Donc ça, c'est plutôt sympa et ça s'est toujours bien passé. Alors, c'est vrai que c'est facilité parce que je suis fils unique, donc c'est toujours plus facile, ça évite les conflits et les querelles. Mais voilà, ça se passe bien, toujours dans un esprit familial, malgré qu'on ait grossi. En fait, l'esprit de la société est toujours familial, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, très proche des employés. Et voilà, c'est comme ça, je pense que ça avance, ça marche. En tous les cas, c'est ma philosophie, quoi. Sébastien Bouillet, merci. Nous étions cet après-midi...
dans le magasin Chocolat, le nouveau magasin, le nouveau concept un peu style loft new-yorkais de Sébastien Bouillet à la Croix-Rousse, pour une nouvelle aventure gourmande que nous n'hésiterons pas à suivre avec beaucoup de saveur, beaucoup de goût, mais également beaucoup de gourmandise. Rendez-vous avec Sébastien Bouillet à la Croix-Rousse, aussi bien dans sa pâtisserie que dans sa nouvelle chocolaterie Chocolat. Bon appétit.